On se retrouve aujourd'hui pour la ouverture de la Glossy Box du mois de juin. J'ai essayé juste une première chose. J'ai enlevé ma red line vu qu'il fait assez lumineux dehors pour voir comment ça rend. Donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Juste par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, je me suis rapprochée aussi. Enfin, j'ai zoomé un peu plus. Peut-être que vous voyez peut-être mieux les produits, parce que des fois je suis un peu loin et pour vous montrer, je suis bah, très loin, donc je sais pas, j'ai du mal quoi. J'ai du mal, enfin bref. Passons, on va revenir du coup à la box. Avant ça, j'ai des codes promo à vous passer, comme ça va être déjà fait avant que je les oublie. Parce que moi je serais capable de les oublier, donc je vais vous les passer maintenant. Donc nous avons un code pour la marque Tails.com, donc c'est pour les chiens, je sais pas si vous allez voir. C'est un peu comme du Jaffy, hein. Donc c'est pour l'alimentation des animaux sur mesure. Nanana. Donc est-ce qu'ils mettent recette au poulet facile à digérer avec les bonnes fibres. Donc il y a un premier mois offert avec le code chien55. Donc il faut créer le profil, découvrir la recette sur mesure et profiter du mois offert sur le code ci-dessous. Donc voilà, il y a un compte à faire et du coup voilà, donc on a un mois offert pour les croquettes pour chiens. Donc moi je connais Jaffy, j'ai déjà testé, mais ça coûte hyper cher en vrai. Je sais pas combien ça coûte Tails.com. Je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire combien ça coûte, mais je sais que c'est quand même cher quand même bah Jaffy déjà. Donc ça je sais pas. Je sais pas si c'est français ou pas. Je sais que Jaffy c'est français, mais ça je sais pas. Donc je peux pas vous dire de bêtises. Faudra vous renseigner sur le site si besoin. Mais en tout cas voilà quoi. Voilà. Je pense que tout le monde se met à faire des alimentations comme ça pour animaux sur mesure. Même je crois qu'il y en a aussi pour chats aussi, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà. En tout cas, si ça vous teste, si ça vous dit de tester, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ensuite, deuxième code promo, donc c'est avec HelloFresh pour la box à cuisiner. Voilà, chercher le mot. Donc c'est sans engagement. Et du coup, on a 2 fois 25 € offerts. Avec le code A0279-5289. Donc ça j'ai jamais fait. J'ai jamais fait jamais utilisé cette box de nourriture. Ça me dit rien après. Donc ils mettent des produits priorités d'origine France en direct des producteurs apparemment. Donc écoutez, je connais pas trop, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Donc si vous connaissez, dites-moi, mais moi je connais pas. J'ai jamais trop testé. Voilà. Donc voilà pour le deuxième code. Donc c'est une box banale. Donc il n'y a pas de packaging ou de design, comment dire, spécial. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Alors, pour le petit livret, voilà comment il se présente. Donc le thème, c'est Poolside Paradise Edition. Voilà. Donc, alors pour le petit mot. C'est le mois de juin, ce qui signifie que c'est officiellement l'été et que les vacances arrivent à grands pas. L'édition Poolside Paradise vous plonge directement dans ces moments que nous aimons tant. Retrouvez 5 produits de beauté, dont 3 full size et 2 travel size pour les emporter partout avec vous. Dites hello à une variété de cosmétiques, de skincare, de soins capillaires et d'accessoires. Le tout pour une valeur de plus de 90 euros. Tout ce dont vous avez besoin pour rester belle au bord de la piscine et prendre soin de vous. Premier produit que je pioche, donc c'est un gloss, non, c'est une huile à lèvres pH, je sais pas ce qu'il y a, changement de pH. Ah, donc c'est-à-dire qu'au contact des lèvres, ça devrait changer. Donc ça serait à la cerise. Et c'est la marque The Beauty Crop. On a déjà eu, je crois, des produits de la marque The Beauty Crop. En tout cas, c'est pas mal. J'aime bien le petit packaging comme ça, là, avec les petites cerises sur les côtés et tout. Franchement, j'aime bien. Alors, je sais pas si. Ah oui, c'est cruelty free vegan aussi. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Donc, voilà pour le packaging. Du coup, donc c'est transparent au niveau d'ici. On dirait que c'est bleu. Et du coup, il y a la petite cerise sur le petit capuchon. De toute façon, je vous ferai un close-up. Donc, voilà. Quoi ça ressemble. Je l'aurais bien testé sur mes lèvres en fait. Directement. Ouais, je pense que j'avais mon gloss là et je vais tester ça avec vous en direct, ça sera encore mieux. Bon après, je sais pas, au niveau de la couleur, par contre, si c'est la couleur de la cerise, ça ira peut-être pas forcément avec le make-up, mais bon, on va tester, on verra bien. Alors,
Au niveau de l'embout, c'est un embout classique, hein. Alors, je sais pas si vous allez voir ce que je fais, j'espère. En tout cas, ça sent bien la cerise. Ouais, c'est rosé. Et le bouchon, enfin le truc, il se colore un peu aussi. Ça sent trop bon. Bah voilà ce que ça fait du coup. On dirait un gloss, hein. On dirait un gloss. Bon, ça colle pas, hein, vu que c'est une huile. Donc c'est vrai que pour hydrater, ça va être hyper bien en tout cas. Enfin, je sais pas si je vais rester comme ça sous tout le long de la vidéo parce que c'est hyper rose. Par contre, je suis pas habituée à ce genre de couleur-là. Je suis plus habituée à ce genre de rose-là. Après, ça a en fonction de mes lèvres. Donc peut-être que vous aurez une teinte moins rosée que moi en fonction de la teinte de vos lèvres de base. Mais ah, c'est trop bizarre. Je suis pas habituée de me voir comme ça, putain. C'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être une Barbie, quoi. Donc, on va regarder ce qu'ils en disent dessus parce que c'est bien beau de tester, mais du coup, voilà. Pour ce petit. Enfin, ce petit, je crois que c'est un full size, à mon avis, même si c'est pas un petit. Pour cette huile à lèvres, là. Alors, huile pour les lèvres, couleur changeante. Oui, chérie, lip oil. Ça s'appelle donc, ce serait le truc Oui, chérie. C'est un O, je crois que c'était un C. Comme quoi. Enfin bref. Cette huile pour les lèvres à la couleur changeante de The Beauty Crop ne nourrit pas seulement les lèvres avec sa base huileuse, douce et légère, mais la formule pH répond à sa pigmentation de vos lèvres pour créer une teinte unique et améliorée. Ainsi, elle laisse vos lèvres avec une couleur magnifique qui vous conviendra parfaitement. Pour appliquer le produit, passez-le sur les lèvres en le faisant glisser et attendez que la magie opère. Donc c'est un produit full size de 2,5 ml qui coûte 14 euros. Voilà pour cette petite huile à lèvres. Écoutez, franchement, au niveau du confort, franchement, je peux vous en dire du coup vu que je l'ai sur moi. Franchement, c'est hyper agréable, hein. Et comme il dit, c'est bien, comment dire, voilà, c'est très léger et c'est très fluide en fait. Donc faut pas avoir peur pour le tester. Après, ouais, bah là, je pense qu'au niveau de ma couleur, moi, ça fait beaucoup plus rosé parce que j'ai les lèvres rosées, je sais pas, on sait rien. Ça me fait tellement bizarre de me voir avec une couleur comme ça, je suis pas habituée. Mais bon. Enfin bref, en tout cas, il est hyper bien pour hydrater à la maison, c'est très bien. Peut-être pas pour sortir, mais pour la maison, je le mettrai sûrement. Mais peut-être pas pour sortir parce que j'ai le rose comme ça, j'ai du mal. Avant, je mettais ça, mais. Enfin, ce genre de couleur, j'en mettais, mais en fait, j'aime pas trop sur moi. Enfin bref, en tout cas, il est hyper bien, franchement, rien à dire. Second produit, parce que j'ai beaucoup parlé du premier. Alors, le prochain produit, c'est un gommage corps Aqua Hero, exfoliant naturel au sel de Guérande. Ah, sel de Guérande, ça dit quelque chose. Nous avons un format de 38 ml et du coup, ça va être la marque Aqua Hero, je pense. Oui, forcément. En plus, c'est écrit en gros. Nous avons. C'est pas marqué si c'est cruelty free ou vegan. En tout cas, il y a 99% d'ingrédients naturels dans ce produit. Donc, pour ce produit. Exfoliant naturel au lait de sel, exfoliant naturel au sel de Guérande. Ce gommage pour le corps va devenir votre nouvel héros du quotidien. Son super pouvoir composé de sel de Guérande, de miel et d'aloe vera, il exfolie en douceur et laisse votre peau intensément nourrie et hydratée. Idéal pour un joli bronzage, Aqua Hero est une marque made in France qui a à cœur de développer des produits pour révéler l'éclat de votre peau. Avec comme ingrédient principal, l'eau, cet élixir de vie et l'hydratation. Donc c'est un produit travel size, ils disent 40 ml. Non, c'est pas 40 ml déjà, c'est 30 ml. Dessus c'est marqué 30 ml, hein, c'est pas marqué 40. Hein. Donc il y a encore dû y avoir une erreur dessus. Et du coup il coûte 5,30 €. Donc voilà, pour ce produit. Écoutez, on testera, on verra bien. Donc voilà, en tout cas ouais, 40 ml sur le papier, 30 ml sur le flacon, c'est pas bon. Les calculs sont pas bons, Kevin, comme dirait. Comment on dirait. Enfin bref. Le prochain produit, c'est ceci. Donc, c'est un mascara volume, courbe et volume. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. C'est la marque Plume et Poppy. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un format. Grand format ou pas, je sais pas du tout. Enfin bref, je vais ouvrir, on va bien voir ce que c'est.
Alors, le packaging, bon, c'est un packaging normal, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Un packaging comme ceci, noir, avec marqué plume et poppy, plume et poppy, pardon. Et nous avons, je ne sais pas du coup, combien on a de format. Je n'ouvre pas la brosse parce que le souci c'est que j'ai d'autres mascaras qui sont déjà ouverts et le problème c'est que si je l'ouvre, bah, je vais devoir l'utiliser en fait et ça m'embête d'ouvrir la brosse. Donc je ne peux pas vous montrer la brosse. Si vous arrivez à le trouver sur internet, sinon, ou j'essaierai de vous mettre une photo si je le trouve en photo pour avoir moi la photo de la brosse. Parce que le problème de ce mascara, après, ça se perd, quoi. J'ai pas envie de perdre le mascara. Donc voilà. Donc c'est un mascara waterproof. Donc ça, c'est bien. J'en ai pas beaucoup en plus, donc ça tombe bien. Le mascara waterproof de Plume et Poppy est un indispensable pour une journée au bord de la piscine. L'élément résistant à l'eau permet à vos cils volumineux de rester impeccables pendant la baignade grâce à sa technologie anti-bavure. Bien que ce mascara soit waterproof, il s'enlève facilement avec un démaquillant adapté. Pour l'appliquer, brossez de bout en bout en vous assurant que tous les cils soient couverts uniformément. Donc c'est un produit full size de 23,10 €. Mais genre 23,10 €, c'est quand même cher, hein. Mais ils mettent pas le grammage. Ah oui, si, 8 ml, il est marqué dessus. Mais c'est un format basique, je crois, 8 ml. Hein. En tout cas, 23 € et quelques. Franchement, c'est. Comment dire, c'est cher quand même pour un mascara. Putain. Déjà, moi, je suis dans les 10 balles en général. 10, ouais, 10, 11 balles, 12. Allez, 15, ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé aussi dans les 20 balles en vrai, mais c'est très rare. C'est très rare. En général, chez Sephora, oui, tu tombes facilement dans les. Un peu moins de 30 €, t'as un mascara, quoi. Mais bon. Voilà, en tout cas, franchement, j'ai hâte de tester du coup. Parce que je sais même pas si j'en ai un d'ouvert en fait en waterproof. Je vais quand même vérifier, au pire, dans ces cas-là, je pourrais vous le montrer. Mais je suis pas sûre. Ensuite, du coup, prochain produit, nous avons un shampoing délicat volume naturel à la rose, soin quotidien lavant-protecteur, ok, cheveux fins, colorés ou naturels, ok, de Christophe Robin. Nous avons un format de 250 ml. Je vais l'entendre. Ouais, je sens pas trop. Il n'y a pas forcément d'odeur, ou alors c'est moi qui ai le nez bouché, ou je sais pas, mais. Je sens pas d'odeur particulière. Ok. Ils mettent sans parabènes, sans silicone, sans SLC, sans SLS, je sais pas ce que c'est, et colorant, et sans colorant non plus. Ok, c'est pour ça que le machin il est assez blanc. Alors, pour le shampoing volume naturel à la rose, en plus c'est bien parce que moi j'ai besoin de volume dans mes cheveux, vous voyez que c'est plat ici, donc ça tombe bien. Ce shampoing lave en douceur tout en redonnant volume et souplesse. Son pH acide resserre les écailles de cheveux pour limiter la fuite des pigments et garder la couleur brillante et fraîche. Il lave délicatement, apporte un volume naturel tout en protégeant votre couleur. Idéal après ces longues journées à vous prélasser dans l'eau de la piscine. Donc le produit full set donc de 250 ml, il coûte 28 euros. 28 euros. 28 euros quoi? Non mais. What the fuck? What, 28 euros, j'ai jamais pris un shampoing à 28 euros moi. Oh, mais c'est hyper cher, c'est un shampoing de luxe en fait. C'est un shampoing de luxe. Là, je suis un peu sur le cul, hein. Franchement. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Je vais vous montrer quand même le packaging, mais. Oh putain. C'est chaud. Enfin bref. Du coup, on va passer au dernier produit qui est un pinceau. Donc je vais l'enlever du truc parce qu'on ne voit pas. Un pinceau double embout, j'ai l'impression. Ouais. Donc là, nous avons un pinceau double embout. Donc un côté avec un plat, avec un pinceau plein. Et l'autre côté, ça fait un gros truc estompeur, on dirait même. Comment dire? C'est pas forcément estompeur, je dirais plus un truc anti-cerne, moi. Parce que c'est assez dense quand même. Quand je touche. Donc je sais pas trop ce qu'ils en disent dessus. Écoutez, on va regarder. Le pinceau maquillage multifonction 113. Donc c'est le pinceau 113 et c'est la marque Nire Beauty. Nire Beauty. Ce magnifique pinceau multifonction est le tout premier pinceau estompeur à double face de Nire Beauty et nous l'adorons. Il combine un pinceau anti-cerne classiquement plat et effilé
avec un pinceau estompeur en dôme doux et moelleux. Il est donc parfait pour l'application d'anti-cerne, d'highlighter et d'ombre à paupières. Donc le produit full size coûte 21,95€ quand même ce pinceau. Donc eux ils disent que ce côté-là, c'est le côté anti-cerne. Écoutez, moi je ne l'aurais pas utilisé pour l'anti-cerne ce côté-là, j'aurais plutôt utilisé ce côté-là en fait. Parce que là pour un pinceau estompeur, franchement, ah si ça peut estomper quand même en fait. Même pour l'anti-cerne, hein, il peut faire l'affaire celui-là. Moi j'aurais même plus utilisé ce côté-là pour les ombres à paupières liquides ou en peau et tout. Enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas. Même en humidifiant et en prenant le fard à paupières en poudre, c'est possible aussi. Hein. Donc je sais plus ce que je disais parce que mon téléphone a coupé. Plus assez de place. J'en ai marre. Donc je parlais de ce pinceau. Ouais, que moi j'utiliserai plus ce côté là pour mettre des fards à paupières et ce côté là pour l'anti-cerne en fait, mais en vrai pour l'estompage il peut être bien aussi, mais il est quand même hyper gros par contre. C'est ça qui m'embête, c'est que moi j'ai pas une paupière non plus énorme, c'est pour ça que là je vais essouffler, laisse tomber. Je viens de faire des marathons là pour enlever ma vidéo et tout. Franchement, ça me gave. Vraiment, ça m'insupporte de faire des vidéos comme ça. Là, je sais que j'ai une autre vidéo avec une collection de maquillage, avec une palette et tout. Je peux pas la faire parce que je sais que pour me maquiller, je vais mettre au moins une heure. Au moins. Il faut que je me dépêche à chaque fois en fait. Sauf que là, il pourra pas tenir parce que là, j'ai fait 20 minutes, ça m'a coupé quoi. Donc ça me gave. Franchement, ça me gave. Faut que je change de téléphone, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Voilà pour ce pinceau, en tout cas c'est hyper cool, on est à la fin du coup de la box. Alors, concernant les produits que je vais garder, je pense que je vais tout garder. Hein. Le gloss, là, enfin le gloss, l'huile pour les lèvres. Le gommage pour le corps. Le mascara, du coup, je le garde. Le shampoing, vu le prix qu'il coûte, on va le garder. Hein. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et le pinceau du coup double en bout, bien sûr que je le garde. C'est aujourd'hui d'avoir un pinceau, donc effectivement je le garde également. Quoi penser de cette box? Et bah écoutez, franchement je suis ravie, il y a du make-up, il y a du soin, il y a des accessoires. Franchement, pas mal hein. Vous pouvez laisser un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir d'autre. Moi j'aimerais bien faire une vidéo comme je vous ai dit juste avant, où je me maquille avec une palette parce que c'est une nouveauté, mais je sais pas si elle est encore disponible aussi parce que c'était une édition avec une, c'est une collab en fait. Donc je sais pas si elle est encore disponible, faudrait que je regarde sur le site, mais j'ai envie de la faire quand même, donc même si elle est plus disponible c'est pas grave. Mais j'ai envie de la faire quand même parce que j'aimerais vraiment découvrir ma palette avec vous quoi. Donc voilà, puis j'avais commandé d'autres produits aussi en même temps, parce que j'avais pas commandé que la palette, mais voilà. J'aimerais bien la faire assez rapidement, mais franchement ça me saoule là, pas assez de mémoire et tout, franchement ça me gave. Enfin bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.